Bonjour à tous et à toutes, Yannick, détecteur et détection. Ce matin, j'ai pu télécharger la V4, le logiciel pour le Xpedeus. Nous allons donc la découvrir ensemble sur la télécommande, voir ses nouvelles fonctionnalités. Alors tout d'abord, deux petites précisions. Il s'agit de la V4 bêta. Il ne s'agit pas de la version définitive. La version définitive sera disponible gratuitement en téléchargement courant mars, sûrement début mars, on va dire première quinzaine, mais là je m'avance un petit peu. Donc il s'agit d'une version bêta, c'est une version qui a été fournie il y a déjà quelques semaines aux bêta-testeurs. Alors les bêta-testeurs sont des personnes reconnues par XP. Sur leurs compétences, leur connaissance du détecteur Xpedeus. Donc il s'agit de personnes, d'utilisateurs, hein, lambda, de détectoristes à travers le monde. Ensuite, maintenant, cette version bêta a été transmise aux revendeurs agréés XP pour pouvoir vous la montrer en magasin et pour pouvoir la tester sur le terrain, voir un petit peu, pour pouvoir donner notre avis. Ça, c'était la première précision. Ensuite, seconde précision, je la découvre en même temps que vous. Je n'ai pas encore pris réellement connaissance de la V4, je ne l'ai pas testée. Donc, c'est vraiment une petite découverte, hein. Donc, soyez indulgents si je fais quelques erreurs, si je me trompe, si je bégaye. Voilà, donc c'est parti. Et puis, je répète souvent donc, vous allez en entendre. Démarrage de la télécommande. Donc là, vous voyez le 4 pour la version 4, le B pour la version bêta. Là, on ne va pas mettre de haut-parleur car on est en intérieur. Les disques sont posés près de sources métalliques, donc il risquerait d'y avoir beaucoup de faux signaux. Allez, c'est parti. Menu principal, on va dire la page d'accueil. Là, rien n'a changé. Toujours les mêmes affichages. Alors, on va partir dans Options. On découvre au fur et à mesure, hein, c'est brut de décoffrage. Configuration, c'est parti. Haut-parleur, ça on l'avait. Durée d'éclairage, c'est toujours pareil. Rien de nouveau. Contraste, on monte à 19. Voilà, 19. Et on descend, on reste là. L'heure, ben c'est l'heure. Rien ne change. Profil, on sélectionne. Donc vous avez soit la possibilité du mode classique, hein, ce que j'appelle le fer à cheval. Soit vous pouvez faire le mode oscilloscope. Allez, on revient rapidement pour voir ce que c'est. Voilà, même en mode basique, il est disponible. On va revenir sur configuration, sélection. Je vais en profiter pour mettre la durée d'éclairage à on pour qu'elle reste allumée tout le temps. Donc on était à contraste profil et ensuite on peut voir une nouvelle entrée dans le programme qui est le mode Go Detect. Donc Go Detect, si vous ne le savez pas, c'est une application sur smartphone qui permettra de connecter votre Deus avec votre smartphone. Le but, c'est qu'au fur et à mesure de votre détection, les données seront collectées depuis votre Deus, envoyées à votre smartphone, des données sur les cibles et la nature du sol, du terrain sur lequel vous détectez. Ça va vous faire une sorte de cartographie durant tout votre parcours et vous pourrez ensuite le consulter. Ça pourra être très intéressant dans le cadre de recherches spécialisées. Voilà. Ensuite, mise à jour, ça c'est classique. Le haut-parleur, c'est pareil. Donc là, voilà, on a fait le tour du mode config. Ensuite, programme, on sélectionne, donc toujours pareil. Soit on sauvegarde, soit, voilà, on sauvegarde et là, on a accès aux différents programmes. N'oubliez pas que lors de la mise à jour, tous vos programmes personnels sont supprimés. Donc avant de cela, si vous voulez les garder, pensez à les noter sur une petite feuille ou à la fin du manuel du Deus, il y a des emplacements libres. Disque, on sélectionne.
La petite nouveauté par rapport à la V3, il n'y a plus de nom de disque, il y a juste les numéros de série qui apparaissent. Voilà. Comme vous voyez, plus de nom. Ensuite, donc pinpointer, on sélectionne, là il demande de l'appairer. Donc l'appairage, c'est de connecter votre pinpointer MI6 à votre Deus. Allez, c'est parti. Il nous demande de allumer le MI6 pendant au moins 8 secondes. C'est parti. Voilà, il est connecté. Voilà. Donc vous venez de voir, j'allume directement le pinpointer. Il prend le dessus sur la télécommande, enfin sur le disque. Et la mire apparaît sur votre télécommande. Idem pour le... Là, on ne parle pas du casque, mais non, le casque est automatiquement connecté à votre pinpointer. Je l'éteins. Hop, c'est la page normale du Deus qui apparaît. Allez, on rallume. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un menu. Vous pouvez donc régler la sensibilité. La sensibilité va de 0 à 50. Les tonalités au niveau des tons, des fréquences. Et l'audio, soit en mode pitch, soit en mode pulse. Voilà. Et le petit bouton pour sauvegarder. Allez, je l'éteins. On revient dessus. Point important. Vous avez perdu votre pinpointer. Même au bout de plusieurs heures, hein. Il est éteint. Normalement, sur les autres pinpointers, il fallait refaire tout le chemin. Eh bien, regardez. Là, petite aide assez intéressante. Voilà, le pinpointer, vous voyez, est complètement éteint. Je vais sur la fonction retrouver. Je clique dessus. Il le cherche. Et il le met automatiquement en marche. Voilà, je coupe parce que c'est désagréable. Oui, je t'ai retrouvé. Voilà. Donc, fonction très intéressante pour ceux qui, et j'en connais, ont perdu déjà plusieurs pinpointers. Donc, on a fait le tour de ce menu, sous-menu options. Niveau sol, toujours les mêmes fonctions. Par contre, le tracking du sol, là, le mode automatique, a été amélioré, notamment sur les sols faiblement minéralisés. Chaque fréquence mémorise sa valeur sol aussi. Et la fonction, on va dire, global effet de sol, réglage des effets de sol, a été améliorée. Nouvelle petite fonction intéressante pour ceux qui recherchent en tout métaux, c'est au niveau de la discrete. Donc là, on a une discrete 10. Je descends, je descends, je descends. Et voilà, on part sur une discrete négative, donc une plage plus étendue vers les ferreux. Ça va vous permettre de percevoir des ferreux silencieux. Des cibles, du fait qu'elles soient très 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 profondes, qui sont repérées, enfin qui sont ressenties comme des ferreux. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, on continue. Alors, attendez, sensibilité. Alors, hop, je reviens un petit peu. Réactivité. Voilà. Bon, on a toujours le silencieux moins 1. On part. Voilà, je m'y retrouve. Réactivité.
Nouvelle, 2,5. Donc, un très bon compromis. C'est rapide. Ça a été souvent demandé auprès d'XP, cette réactivité. Je vous conseille de l'essayer. Ensuite, donc réactivité, on l'a vu. Réponse audio, discret, on va partir. On va se mettre sur deux tons pour découvrir une petite chose hein, qui peut intéresser certaines personnes. Moi, par exemple. Hop. Donc là, vous voyez. Je monte, je monte, je monte, je monte. Voilà. On est quasiment à 1000 Hertz au niveau de la tonalité audio. Donc très très aigu, moi j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Donc si vous remarquez, bon, la navigation est déjà beaucoup plus rapide. C'est une des améliorations. Par contre, cette navigation plus rapide, parce que là, le calcul des processeurs a été augmenté, a été, je crois, doublé hein, de mémoire. L'autonomie de votre télécommande, qui était avant V3 de l'ordre de 25 heures, la télécommande et le casque, l'autonomie passe à 18-20 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? De mémoire, de mémoire. Donc il y a les modes statiques. Bon, on ne va pas en parler parce que ça, il faut vraiment être sur le terrain. Allez, on va passer, je pense, aux dernières fonctionnalités. Enfin, aux dernières. Donc là, on a les programmes classiques, pitch, etc. Gmax. Et avant, vous aviez ici le mode relique. Donc maintenant, vous avez un mode, un programme deep, qui est un programme pour les recherches de cibles profondes. Donc, une discrie modérée. Voilà, c'est pour les recherches d'objets profondément enterré. Autre, là, les deux programmes plages qui n'ont pas changé, et là le programme hôte. Alors là pareil, c'est un programme pointu, donc il faut avoir quand même un petit peu d'habitude du Deus, ou alors être très patient. Hein. Donc là vous avez un mode qui utilise le full tones et une discrie très basse. Voilà. Recherche. Là, avec ça, vous pouvez faire des recherches très pointues, voilà, et ne rien laisser passer. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, il y a des petits réglages sur la normalisation des cibles, les normalisations audio. C'est actif par défaut, parce que enfin, si vous ne le saviez pas. Tout ce qui était indice de conductivité variait selon les fréquences utilisées. Donc vous aviez avant une fonction qui était l'idée NOR, la normalisation audio. Donc pour retrouver les mêmes tonalités, même si vous changiez de fréquence, là c'est activé par défaut. Voilà, donc je pense qu'on a fait un premier petit tour rapide. Ça sera beaucoup plus intéressant d'aller les tester sur le terrain, mais bon, voilà, il faut connaître un petit peu comment naviguer dans le nouveau menu. Et voilà, excusez-moi, là je bloquais un petit peu, il y a un petit côté hypnotisant avec ce graphique. Voilà, ça si par exemple on prend une pièce, je ne sais pas. Voilà, vous voyez. Mais bon, là vous avez en même temps, il est en train de capter l'ordinateur qui est juste à côté de lui. Donc c'est normal qu'il s'affole un petit peu. Voilà, ça on le verra sur le terrain, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.